Il y a un rat dans ma trompette, non? Et si ça continue, on va pouvoir tirer à l'arc avec la guitare. Ça va, c'est bien, c'est bien. Là, là, tu n'aimes pas la trompette. Hein. Si, je l'aime bien, mais bouchée, bien bouchée. Ça va, les Shadowhawks? Ça va. Vous savez, pour faire de bonne musique, il faut bien accorder les instruments. Hein. Non. Ah ouais, c'est nouveau, ça, non? Non, il y a une lourdeur dans ton sol, là. C'est le ré que tu viens de toucher. C'est bien ce que je te disais. Ah oui, c'est vrai, ça me revient maintenant. Et donc, quant à toi, j'ai entendu là, dans la rue. C'est bien ce que tu fais. Ouais, ça te plaît? Ah ouais, moi j'aime beaucoup, ouais. T'as pas donné des cours à Zavata, toi? Non, j'ai rien fait, moi. Justement. Dis donc, nerveux, Jimmy, ouais, aujourd'hui. T'as le tac? Non, ce soir, c'est du moment où vous arrêtez. Se calme. Se calme. Et voilà. Bah, tiens, tu vois. Il faudrait peut-être bien de t'habiller, non? C'est embêtant, hein? C'est drôlement. Bah oui. Marc, il sait jamais. Je peux pas y aller comme ça, les gars, je peux pas. Pourquoi? Parce que je peux pas y aller comme ça. Mais si, c'est vrai, écoutez, mais c'est bien. Jusqu'à maintenant, il y avait une bonne ambiance, hein. Mais on avait dit pas avec les fringues. Jeannot, c'est toi? C'est toi, Jeannot? Non, c'est pas moi. Bah oui, d'accord. D'accord. Non, d'accord, c'est jamais personne. C'est jamais personne. Et les boules puantes, et le pec citron. Et le pec. Ah oui, et le pec. Et le pec. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Bien, j'aime bien votre sketch. Hein. Ah ouais. Allez, à qui la non, non, arrête. On a dit pas avec les affaires. Aïe. Non, les guignols, ça suffit. Où sont mes fringues? Bon, tu te fâches. Je me fâche. Bah oui, je me fâche, moi. Bah, c'est moi. Je me fâche, moi. Je me fâche, moi. Repêcher Paul, Julien et Marcel dans le bassin de la Rapée. Combien il reste d'équipes? Aucune, c'était la dernière. Je suis heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur. Nous allons procéder au mariage de mademoiselle Carole Marco et de monsieur... Ouais. Lequel d'entre vous a organisé les horaires de la journée? De toute façon, c'est pas moi. C'est toi qui as fait ça. Bon, non, c'est pas moi. Et c'est lui, c'était pas ma semaine. C'est toi, alors. Ah! Il y a comme une grosse erreur. Une grosse erreur? Les types? Il y a des erreurs dans les horaires. Quelle horreur! Quelle horreur. J'ai comme l'impression qu'il y a trois oiseaux sur leur perchoir qui vont prendre l'air. Alors là, vous êtes sévère, mon père. Tu charries? C'est peut-être toi, d'ailleurs. Ah oui, mais non, c'est un père sévère. C'est pas... Enfin, quoi? Foutez-moi ça dehors. Soyez gentils, tirez-vous. On était là avant vous, nous. Tirez-vous vous-même. On a autant le droit de se marier que vous. Oh, mais pourquoi voulez-vous vous marier? Ça fait vieux jeu. Allez, dégagez. Oh, non, je suis... Oh. Et celle-là, elle fait vieux jeu? Dis donc, c'est bien ces nouvelles liturgies, hein, Philippe? Oula! Et du temps de mes paroles, je crois que c'était moins vivant. Oh. Ça swing, là, ça swing, hein? Et il en manque à la musique. Attends.
sacré vie de jeunesse et chant grégorien depuis le concile. Pas de mariage. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ça dépend, monsieur, ça dépend. Passez donc me voir un de ces jours. Oui. J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Volontiers, monsieur. Volontiers. Ça fait plus le coup du klaxon, là. Mais si, mais c'est cette porte, c'est pas l'autre. Écoute. Ah. Tu vois? Dis donc, j'ai eu peur et je crois qu'elle était en panne, moi. Je commençais à craquer. Ah, c'est qu'on s'y attache à ces petites bêtes, évidemment. Faudrait pas que ça nous lâche. Dis donc, il y a un entretien là-dedans. Oh, ça fait de la musique, t'entends? Bling, bling. On peut faire là, tu vois? Ah ouais? Enfin, moi, parce que toi, en musique, t'es nul. Pauvre mec, eh. Bonjour. Oh, mais dites-moi, mais j'y pense, là. Mais mardi soir, mais je peux pas. Je viens de regarder mon agenda. Ah, par contre, j'ai tout mon week-end disponible. Vous avez rendez-vous? Ça dépend. Qu'est-ce que vous pensez de vendredi soir vers 9h? Je vous ai demandé si vous aviez rendez-vous. Ah, je sais pas, il faut demander à mes parents. Avec monsieur Marco, Cruel. Elle est à l'envers. Oh, non, pas comme ça, comme ça. Vous avez déchiré votre jupe sur le côté, mais ça vous va bien, hein? C'est vrai, ça lui va bien. Monsieur Marco? Oui. La voix. Trois messieurs sont là qui prétendent avoir rendez-vous avec vous. Ah, les fameux musiciens qui étaient là au mariage de ma fille. Faites-les rentrer. Si vous voulez bien me suivre. Oui, volontiers. Dites Jeannot dans mon oreille. Oui. Avec la même voix qu'au téléphone. Entrez. Monsieur Marco, les messieurs que vous attendiez sont là. Ah. Bon. Faites entrer. Approchez, approchez. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux que vous soyez venu me voir. Vous voulez boire quelque chose? Oui. Ah oui, un petit whisky, peut-être. Moi aussi. Et un consommé, s'il vous plaît. Un consommé. Chaud? Oui, oui, chaud. Au poulet. Bon. Non, au bœuf, s'il vous plaît. Ben oui, parce qu'avec la chaleur, vous comprenez, il vaut mieux boire chaud, comme ça vous sentez frais. Bon. Vous voulez vous occuper de ça, mademoiselle? Bien, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Merci bien, monsieur. Je suis le président directeur général d'une société. Quelque chose ne va pas? Si, si, ça va très bien. Une société qui gère un grand nombre de commerces et de magasins, c'est-à-dire qu'elle assure l'entretien et collecte les loyers de ces entreprises. Et j'ai besoin de quelques encaisseurs. Est-ce que ce travail vous conviendrait? Si vous pensez qu'on en est capable... Non, parfaitement. Et c'est bien payé? 10% du montant des loyers. C'est un travail simple, mais de confiance. Vous vous présentez de ma part et vous dites que vous venez toucher le loyer. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Excusez-moi. Oui, une question? Oui. Pourquoi faire spécialement appel à nous? Parce que j'ai besoin de gens comme vous. Dynamiques, enthousiastes, pleins d'initiatives. Vous aussi, vous avez une question? Est-ce que je pourrais avoir un peu de tabasco avec mon consommé? Oui. Mademoiselle vous apporterait une petite bouteille de tabasco pour le consommé de notre ami. Très bien. Ah, et un doigt de Xérès. Oui, bien sûr. Et une bouteille de Xérès. Oui, ce sera tout. Voilà, alors chaque petit drapeau représente un de mes clients. Et chaque jour, je vous donnerai les noms des entreprises à visiter. Eh bien, donnez-nous la première liste et on y va.
Je préfère que vous les appreniez par cœur. C'est pas la peine de vous encombrer avec des papiers inutiles. Ok. J'apprécie énormément l'efficacité et la discrétion. Ah, une chose importante, vous ne remettez jamais de reçu en échange de l'argent qu'on vous donne. Si par hasard un de mes locataires n'était pas en mesure de vous payer, vous dites simplement, nous allons informer Monsieur Marco. C'est tout. Parfait. Et les clients d'aujourd'hui, c'est qui? Ici, l'hypermarché Continent. C'est en banlieue, vous avez une voiture? Oui, oui, on a une R16 en très très bon état. Bien, vous me ferez des notes d'essence. Notre société possède, bien sûr, un parc de voitures de fonction, mais je préfère ne pas les utiliser pour ce genre de travail. Vous pourriez, bien entendu, prendre les transports en commun, hein? Mais je déteste pas la façon de décorum à mon personnel. Ensuite, le magasin de voitures Marcuse, rue Cardinet, la blanchisserie Caprin, ainsi, rue de Vieille Dentelle, et enfin, le restaurant asiatique Huitienne, rue de Tolbiac. Et quand vous aurez terminé, vous me rapportez les enveloppes. C'est extrêmement simple. Très bien. Ah, c'est une belle arme. Il a eu... Je l'ai... C'est rien, c'est pas grave. Enlevez-moi ça. Bon, eh bien, messieurs, bon travail et à ce soir. Bonsoir. C'est pas grave, non? Absolument pas. Pardon. Ah ben non. Non, je vous laisse mon consommé parce que c'est bon pour les coups de pompe. Complètement bousillé. Pourtant, elle m'avait semblé toute neuve. C'était du costaud, il venait de la poser. Ah là, il peut plus s'en servir. Hein. Ah, mais du solide. Et pas un mot, ça c'est de la classe. C'est vrai ça. Eh, si t'écris à ta grand-mère, t'auras pas de place pour mettre le timbre. Eh oh, t'as de la mémoire, toi? Tu te souviendras de tout ce qu'il a dit? Continent, garage Marcuse, blanchisserie Capra, 6 rue. Eh oh, pas si vite, j'écris. Eh, mange-toi. Descends plus. Des vieilles dentelles. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Pont de Saint-Cloud, autoroute de l'Ouest, première sortie, c'est là, sa grande surface. Comme si on y était, chef. Eh les mecs, ils commencent à avoir soif, on va tomber en panne sèche, là. Ah non, on va les donner à boire. Oh, oh qu'elle est belle. Eh. Ah, quelle est belle. Oh, je la sens bien, celle-là. Moi aussi. Dis donc, il y a longtemps qu'on l'a pas fait, le machin, là. C'est vrai, ah, ça. C'est vrai, on s'en fout, là. Oui. On perd la main, les mecs. Oui, oui, on perd la main, et c'est pas bien, ça. C'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Bah, écoute. Je vais me gêner. Allez, on y va. Vous n'allez pas salir vos jolies mains avec cette vilaine machine. Vous permettez? Non, mais je ne vous drague pas, mais je vous rends service. Ah. Tiens, Phil, tu fais le plein de malin? Évidemment, madame n'a pas le physique d'un propice. Non, c'est vrai, il a raison. Dites-moi, c'est épouvantable. Je viens de consulter mon agenda et figurez-vous que je me suis rendu compte que ce soir, je ne pouvais pas dîner avec vous. Mais qu'est-ce que vous penseriez de demain? Oh, bah quel dommage. Demain soir, je ne suis pas libre. Mais par contre, ce soir, oui. Ne me dites pas que dans les trépidations de la vie moderne, nous n'allons pas trouver tous les deux 5 minutes qui nous permettent de vivre un amour. Vous êtes très au point, vous. Non, vous flattez, vous flattez. Non, j'ai un minimum de pratique. Vous ne seriez pas plutôt surentraîné, non? Cruel. Savoir être fou. Tenez, on loue une deux chevaux, on part pour Montgeron et on y passe un week-end dément. Ah bah dites donc, si je manque d'essence, vous manquez pas d'air. Ah. Et voilà. Ah, mais il était temps, hein. Il n'avait plus une goutte. Ah ah. Je mets un coup sur le pare-brise. Ah non, ça je connais. Pouvez-vous me passer mon sac, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors on se quitte? Eh oui. Merci. Je crois que pour payer, c'est là-bas. Merci, monsieur. Il a pas de quoi. Adieu, belle inconnue. On n'a pas trop perdu la main, hein? Ça peut aller, hein? On y va? Vous avez des ennuis, mademoiselle? On va vous aider. Oh, oh pardon, excusez-moi, c'est la porte. Aïe! Ah. Ah, l'hélice, mais ça a l'air d'aller, là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, je comprends pas. Elle s'est arrêtée toute seule. Ça doit être le moteur. Oh, c'est pas grave, on va vous arranger tout ça, on est des spécialistes. Oui. Ouais. Je peux? Faut vérifier si c'est pas la courroie du Delco qui a crevé une chemise. Oui, oui. Ben, en tout cas, il y a la compression, hein. Ouais, c'est vrai que je prendrais bien l'arbre à cambie en tête, hein. Non, non, je crois savoir ce que c'est, ça. Ah bon? Oui, on va vous faire un petit réglage de culbuteur. Oh, est-ce bien raisonnable? Ben, évidemment, voyons. Et c'est peut-être la culasse. Je sais pas.
Et la pâte culasse. Et la pâte culasse. Où qu'elle est la culasse? As-tu la culasse? Bon. Capot. Bistouquette. Je la tiens. Frisbee. Ah, comme le jouet? Comme le jouet. Décalamineur. Ok. Divertisseur. Oui. Allez, par là. Là. C'est bon. Eh ben, on y voit plus clair comme ça. C'est plus propre. Bon, alors c'est quoi la panne, là? Eh oh, mais... Eh... Ça fait longtemps que vous roulez avec ça comme ça? Je sais pas, monsieur. Non, mais... C'est pas sérieux, ça. Oh. Hein? Ah, il y a vraiment que les nanas pour ça. Je te jure. Allez, mettez-vous au volant, on va faire un essai. Allez. Oh, c'est pas vrai. C'est, on croit rêver. Et voilà. Ben voilà. C'est tout. Ah, il tourne pas tout à fait rond, hein. Non, ni carré non plus. Ouais, il est pas rond, ni carré, ni pointu, il est comme il est. Ouais. Allez, là, bon, il tourne bien, là, mais il faudrait quand même aller voir votre garagiste pour qu'il vous fasse un petit réglage. Moi, je vous l'aurais bien fait, mais là, il faudrait tout démonter, alors. Capot. Je le tiens. Allez. Oui. Et voilà. Vous pouvez y aller, là. Ah, elles sont terribles, hein. Un petit rien du tout et elles paniquent tout de suite. Ah. Incroyable, ça. Ouais, je me demande ce qu'elle ferait si on n'était pas là. Il y a de la place partout, garde n'importe où, t'as vu ça? Tiens là. Ah, s'il vous plaît, nous voudrions voir le directeur. Le directeur, vous pouvez le trouver au rayon des jouets, entre la 77e case et la 7e allée. Ah bon, et on peut trouver des taxis pour y aller? On peut passer par là? Oui, oui, allez-y, allez-y. Merci. Merci bien, monsieur. Par là. Par là? Oui, parce que par là, je repérais déjà les petites vendeuses et crois-moi que ça va le mettre. Eh bien, dis-moi, combien il donne de loyer, là, le directeur de l'épicerie? 25 000. Ça fait 2005, ça fait 833 chacun. 830, c'est pas mal, hein? C'est bien payé, ce job, hein? Ça commence. Et on n'a pas encore arrosé ça? Ben, c'est vrai. 2612. Quoi? 2612. Ah ah, t'étais trompé. Bon, ben, c'est pas grave, il y a qu'à retirer quelque chose, qu'est-ce qu'on vendrait? Il y a ça, il y en a. Non, 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 pas mes consommés, t'es fou, toi? Ouais, j'aime les verres. Non, non, dans quoi tu vas boire? Qu'est-ce qu'on prend? Ok, tu mangeras debout. Tu as une bouteille? Ce fou qui vient. Non, regarde, t'as pris trop de jambon? J'ai pris trop de jambon, non, mais écoutez-le, il était pas sérieux quand tu dis ça. J'ai pris trop de jambon, moi. T'as vu ce jambon, comment il est? On est trois. Qu'est-ce que je fais avec un jambon? Je coupe trois tranches, il reste plus rien. Qu'est-ce que tu vas manger avec ton melon? Enfin, quoi? Oh, ça va durer longtemps, cette connerie. Une minute. Écoutez, permettons, on en a pour 5 minutes, hein. Allez, videz-le. Je vais... Mais non, mais on est client, monsieur. Non, mais pour qui je prends, ce type? Videz-le. Ça fait un quart d'heure que ça dure, monsieur le directeur. Monsieur, quoi? Ah, ben, ah. Est-ce que c'est... Oui. Ah, c'est vous, le directeur? C'est moi, le directeur. Eh ben, ça tombe bien. Oui. Oui, parce qu'on voulait vous voir, on vient de la part de monsieur Marco. Oui. C'est nous maintenant qui prenons les loyers. Voilà. Ah, monsieur Marco? Oui. Oui.
Excusez-moi, je ne pouvais pas savoir. Et vous en profitez pour faire vos petites courses. Eh bien, écoutez, tout ça, c'est sur mon compte. Vous les livrerez, vous aurez l'adresse à la réception. La somme est dans mon bureau, si vous voulez bien m'accompagner. Par ici, messieurs. Oui. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas savoir. Qu'est-ce que vous foutez là? Chez moi? Oui, vous, qu'est-ce que vous foutez là? Ben, je répare le radiateur. Tirez-vous, fallait le réparer cet hiver. C'est sympa, hein? Très. Ouais. Et humain. Mmh. Ici, tout le monde doit l'aimer. Beaucoup. Il est charmant. Paris. Voulez-vous un cigare? Non, moi, je vous remercie. Non. Merci. Si, merci. Ils viennent d'où? Puravan, Cuba. Je les reçois directement de Moscou. Vous voudrez bien m'excuser pour tout à l'heure, mais je ne pouvais pas deviner. Avant, M. Marco m'envoyait des messieurs beaucoup plus forts, beaucoup plus grands, plus... Enfin, je veux dire, pas aussi sympathiques, aussi gays. Oui, nous, on a tendance à être un peu rieurs. Ah non, mais vous riez, mais des fois, c'est malvenu. Hein. Je me rappelle une histoire avec une concierge, on lui jette un pétard dans sa loge. Ça fout le feu au rideau. Un quart d'heure après, plus rien. Oh, une petite farce d'enfant. Ah oui. Non, mais on riait, on n'arrivait plus à s'arrêter, c'est énervé, on savait même plus pourquoi on riait. Incroyable. Ça vous amuse, hein? Bon, ben, comme on n'est pas là pour ça, hein, nous... Oui. Excusez-moi. Ah oui, hein. Il y a un temps pour tout. Voilà. Je vous remercie bien. Tiens, Philippe. Monsieur le directeur, encore merci pour tout. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir et à la prochaine. À bientôt. Ils sont bons, mais un peu rustiques. Ah. Merci quand même. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est rien, là. C'est rien, là. C'est très marrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a partout. Il y en a partout. On a quoi ça? Vous n'avez rien? Mais... Oh! Il y a plein de déchirés. Oh, dans quel état vous vous êtes mis? Non, non, c'est pour vous. Gardez tout. Comment ça? Gardez tout, c'est pour vous. Vous avez bien encore une fois. Non, non, c'est pour vous. Mais vous voulez rire, hein? On peut faire quelque chose pour vous? Non, non. Non? Bon, alors on va pas tarder. Patron? Patron, qu'est-ce qui s'est passé? Germaine, j'ai peur. Non, oh non. Oh, c'est pas vrai. Oh non. Ouais, c'est Mila, lui. Oh, ils sont pas prêts, hein, non. Pas incroyable. Ouais, bon. T'es sûr que c'est là? Blanchisserie Capra, rue des Vieilles Dentelles. Et voilà. Alors, on y va? Bonjour, mesdames. Oui, bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Vous venez chercher du linge? Non, c'est pas exactement ça. Non, 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 on est venu pour... Allez, on est venu pour le... Qu'est-ce que tu dis? Bonjour. Tiens, voilà Juliette. Vous avez un ticket? Ah, ça que tes tickets, je crois que... Oui, mais j'aimerais bien avoir le ticket. Hein? Moi aussi. Bon, Juliette, il va falloir livrer le linge à Madame Dumas, hein? Oui, j'y vais, ma tante. Tout de suite. Alors, messieurs, vous venez pour quoi?
Mais on est venu chercher le loyer. Pardon? On est venu chercher le loyer. Pardon? On est venu chercher le loyer de la part de Monsieur Marco. Mais t'es fou de crier comme ça! Regarde-moi ça! Sourd, hein. Regarde ce que t'as failli faire! Brûler la chemise! Attends. Tiens, prends la pâte mouille, c'est du coton, tu n'y arriveras jamais! Et voilà. Ça leur arrive souvent? Chaque fois que vous ou vos amis vous venez chercher l'argent. C'est monstrueux, on ne peut pas vous payer! Depuis la mort de mon oncle, on est au bord de la faillite! Les fournisseurs font plus crédit et puis les clients oublient de payer! Et toujours cet argent qu'on doit vous donner, hein! Dis-moi, tu fais des plis, toi, sur les manches? Toujours, c'est plus chic. Ah. Évidemment, tu perds du naturel. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Oh, c'est très ennuyeux, ça. Oui, parce que là, vous avez... Mettez pas le feu, je vous en supplie, on n'a rien. Ma chemise! Mais non, attention. Bon, elles sont évanouies maintenant. Faut pas parler si fort. C'est vraiment sans cœur, hein. Nous, sans cœur? Mais pourquoi vous dites ça? Si vous avez des ennuis, il faut en parler à Monsieur Marco. Il n'est sûrement pas au courant, personne n'a dû l'avertir. Tiens, Juliette, je vais m'occuper de vous et de vos tantes. OK? Après ça, plus de problème. Primo. Oh! Pardon. Je vous rends ça. Tiens, bah, secondo, je vous prête. Je vous prête, bah, tiens, sans tout ça, sans intérêt. Oh, l'intérêt, on vous prête. Oui, enfin, monsieur Marco vous prête tout ça. Parce que c'est un brave homme. Et je vais lui parler personnellement de... J'appuierai personnellement sa demande personnelle. Pas de problème. Oui, enfin, je suis sûr qu'il me comprendra. C'est pas gentil de vous moquer de nous. Mais on se moque pas de vous, je vous assure. Non, mais non, je vous l'ai dit, je m'occupe de tout. Mais oui, d'ailleurs, on va aller lire à monsieur Marco illico presto. Au lieu de piétiner madame, tu pourrais peut-être l'aider à se relever, toi aussi, non? Je ne sais pas, moi. C'est rien, ça. Enfin, je connais ça, je le couche, c'est du chancelier mercerisé. Demain soir, au restaurant du Jardin du Louvre. Ça va pas, non? Ouais, c'est place du Palais Royal. Pas question. À 8 heures. Et les copains, on y va, là, parce qu'on va finir par déranger, hein? À 8 heures. C'est cela. Au revoir, mesdames. Oh. Au revoir, mesdames. Sympa, hein? Oui, bon. C'est vrai, quoi, non? Mes cigarettes. J'ai oublié mes cigarettes. Elles sont là, tes cigarettes. Ah ben non, c'est mon briquet que j'ai oublié. Bah oui, il est près du téléphone, c'est vrai. Ah ben attends, je vais y aller. Non. C'est sympa, non, c'est peut-être pas près du téléphone. Bouge pas. Mademoiselle, je vous invite à dîner demain, à 8 h, restaurant Les Jardins du Louvre. C'est près du Palais Royal. OK? Au revoir, mesdames. Demain. C'est pas le temps. Oh, pardon. Ah, qu'est-ce que tu fais là? J'ai perdu mes lunettes. Ah bon? Eh, mais tu portes pas de lunettes? Non, mes lunettes de soleil. Oh, et je t'ai laissé chercher ton briquet, tu peux me laisser chercher mes lunettes, non? Ouais. Tu l'as retrouvé, ton briquet? Oui, il est dans la voiture. Ah bon? T'as vu? Oh, elle est belle, hein? Tu crois que si je file les 600 balles, il me faut un crédit pour le reste? Si tu souris. Ah! Et tu crois qu'elle le fait? Essaye! Elle est presque aussi bien que la nôtre. Pareil. Enfin, la peinture est pas... Messieurs, c'est pour une voiture ou pour un rock'n'roll? Pourquoi? Vous n'aimez pas le rock'n'roll? Je tiens à vous préciser qu'ici, nous ne sommes pas au palace. Oh. Ah bah tu vois, c'est ça, je me disais, c'est marrant, cette discothèque, elle ressemble à un garage. Bon! Eh bien, si je comprends bien, je vais faire une bande de petits loulous. Mais non, pas du tout, on s'amusait tout simplement. On est venu ici, envoyé par la société Marco pour encaisser le loyer, c'est tout. Voilà. Messieurs, dehors. Ah non, mais non, c'est sérieux, nous sommes les nouveaux encaisseurs et on vient pour toucher votre loyer. Vous n'avez pas compris, messieurs? Dehors. Ah, vous refusez peut-être de payer le loyer? Oui, mais je ne refuse pas de vous faire jeter dehors. Je suis désolé, mais nous allons devoir en avertir M. Marco. Non, laisse tomber, on va lui téléphoner. Voulez-vous un jeton? Ah ben oui, merci. Voilà. Messieurs, au revoir. Ah ben, au revoir. Au revoir. Merci. Des clients intéressants? Non, monsieur le directeur.
Des petits voyous qui viennent d'essayer de me le faire à l'estomac. Il fallait m'appeler. Moi, je leur botte le cul, hein. J'ai pas voulu vous déranger pour si peu. Vous pensez? Des petits loulous qui ont trop vu Humphrey Bogart. Je suis désolé, mais nous allons devoir prévenir Monsieur Marco. Quel nom vous avez dit, là? Carmo. Marco. Oui, quelque chose comme ça. Oh, nom de Dieu. Trois de vos collaborateurs viennent d'appeler, monsieur le directeur. Ils disent qu'ils viennent d'essuyer un refus de la part du garage Marcuse. Je vais arranger ça, merci, mademoiselle. Mais je vous en prie, monsieur le directeur. Et je suis embêté pour demain soir, mais je pourrais pas la faire cette bouffe avec vous. Ah bon, oh. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille chez le dentiste. Mais t'as pas mal aux dents. Hein? Ah non, mais justement, ça... Remarque, ça tombe bien, parce que moi, je devais aller à Vierzon. Hein? Oh. Vierzon? Oui, Vierzon. Ah, bah... Bon, bah non, vous êtes salauds, les mecs. Qu'est-ce que je fais, moi, demain, à 8h? Ben... Je sais pas, moi. T'as qu'à te trouver une nana, tiens. Voilà, d'accord, il a raison. Qu'est-ce que t'as? Monsieur le beurre. Monsieur? Monsieur, non. Oui? On vient de la part de Monsieur Marco, oui, pour le loyer. Ah! L'argent! Merci. L'argent, je ne la donne plus. Oui, c'est vrai. Attention! Je viens de terminer ce bouquin, la dernière leçon. C'est le cri qui tue. Le cri qui quoi? Le cri qui tue, je pousse un cri, tout le monde mort. Oh. Bon, c'est intéressant ça, bon, allez. Ah, yeah. Ah ben non, là... C'est peut-être pas assez aigu, ça. Va pas, là. Hein. C'est parce que vous êtes mal préparé pour le vouloir. Pour le vouloir. Tout le pouvoir, regardez. Regardez-vous comment vous êtes. Regardez, ces jambes-là, c'est pas du béton, de la souplesse. Puis alors les bras, vous voyez, les bras comme ça, ça tombe. Non, les bras, bien comme ça. Voilà, ça c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Regarde, c'est bon, il dit, c'est pas bon. Il est plié en deux. Il a le menton sur les genoux, comment oui. Tu veux respirer comme ça, ah, il oui. Est trop voûté. Non, mais je suis désolé, on commence à écouter. Mais écoute, t'es pas voûté, t'es arc-bouté. Mais... Tiens, je te colle une serpillère ici, je te promène par la main dans la pièce. Mais le carrelage nickel, impeccable, je peux quoi pour dedans. Pour pousser un truc comme ça, faut être libéré. Le cri doit jaillir du fond de l'être, pas vrai? Du fond de l'être. Voilà. Tu l'as lu, toi, ces cris là, le cri doit jaillir du fond de l'être. Non, je l'ai pas lu, mais c'est des trucs qui sont. Et qu'est-ce qu'il nous fait là, monsieur Noël? Il est déshonoré. Oh, le comédien. Bon, allez, c'est pas la peine de vous donner tant de mal, va, on a compris. Allez, tiens, j'allais l'oublier d'ailleurs. Allez, à la prochaine, hein. Allez, au revoir. Portez-vous bien. Et bonne continuation. Je voulais pas vous déranger pour si peu, hein. Pensez des loulous qui ont trouvé un très Bogart. On peut dire que vous êtes un fin psychologue. Dis donc, il a fait pour rentrer avec ça là-dedans. On peut y aller, on peut aller voir. Combien elle coûtait celle-là déjà? 22 millions. 22 millions.
Eh ben. Tu te rends compte? C'est beaucoup. Elle a dû prendre une sacrée décote, là, une si belle voiture. Heureusement qu'il n'y avait personne dedans. Oh, t'imagines. Un Madame Missu. Oh. Mais qui est-ce qui a fait ça? On n'en sait rien, on vient d'arriver. Il n'y a pas de témoin et le conducteur du bulldozer a disparu. C'est pas de peau, ça. Puis dans ces conditions, il n'y a pas une compagnie d'assurance qui va marcher. On va pas vous rembourser. Hein. Heureusement que le bulldozer n'a rien, mais qui est-ce qui va payer? Oh, mais vous avez de la chance, hein. Regardez, le rétroviseur est encore intact. Mais je voudrais vous parler seul à seul. Oui. Je le voyais. Ah, je crois que j'ai un petit malentendu tout à l'heure. Mon adjoint vous a pris pour d'autres personnes. Ah, vous... Venez ici, vous. Vous avez bien pris pour d'autres personnes. Il veut s'excuser. Mmh. Vous les avez pris pour d'autres personnes. Oui, oui, excusez-moi, j'ai cru que... Eh ben voilà, il s'est excusé. Oui, mais c'est rien du tout, c'est pas grave, hein, vous savez. Entre honnêtes gens, il n'y a pas de problème. Mais je vous remercie beaucoup et... Bonsoir, messieurs. À la prochaine. On y va? Allez. Au revoir. Au revoir. Ah, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Approchez. Alors, comment ça s'est passé? Très, très bien. Finalement, le directeur du garage nous a payé tout ce qu'il nous devait. C'est son adjoint qui s'était trompé. C'était d'ailleurs pas leur jour de chance. Un bulldozer a écrasé une voiture. Ah bon? Oui. Les pauvres. Mais le loyer Capra, la blanchisserie. Ah, oh. La blanchisserie Capra. Alors là, monsieur Marco, vous auriez vu ça, c'était du Zola. Hein. Oui. Les deux petites vieilles évanouies, la jeune fille en pleurs, le linge qui brûlait. Les fournisseurs c'est... hurlant après leur facture. Mais les clients qui partent sans payer. Ah oui, 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 vraiment, les trois orphelines. Quoi. Ah. Enfin, qu'est-ce que je dis, les trois orphelines, ce serait plutôt les misérables. Tu mélanges tout. Mais tu confonds Max Duvusy et Ponson du Terrail, Huysmans et Gaëtan Picon. Oh, tu fais comme les romantiques qui avaient érigé en doctrine le mélange des genres. Enfin, voyons, Gérard. Ah, mais absolument. Mais d'ailleurs, Nietzsche avait déploré cette confusion. Bien sûr. Oh, mais alors là, moi je pose cette question. Mais qu'est-ce que le réalisme? Le réalisme se définit avant tout par le souci de découvrir une réalité que le romantisme avait évité ou travesti. Et en ce sens, son mot d'ordre est celui de la science. Voir clair. D'ailleurs, je viens de recevoir quelques ouvrages qui illustrent parfaitement cette théorie. Voici d'abord « À rebours » de Huysmans, préfacé par Marc Fumaroli, très jolie édition. Très beau livre, vous l'avez lu? Non, je ne sais pas. C'est un très beau livre. Ensuite, ici, Germinie d'Acerteuil, en 18, jolie édition également. Très beau livre aussi, permettez-moi de vous l'offrir. Et la blanchisserie? La blanchisserie Capra, alors qu'est-ce que c'est devenu, ça? Comme on sait que vous êtes un homme de cœur, on a cru bon de leur accorder un crédit. Mais sans intérêt, hein, votre nom. Jamais de crédit. Jamais de crédit. Surtout en mon nom. Ah bon, mais pourquoi? À cause de notre image de marque. Bon, enfin, c'est votre premier jour, je passe l'éponge, mais je ne veux plus de sentimentalisme, hein. Dites-moi, je vois que vous avez déjà prélevé votre part dans cette enveloppe. Oui. 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 Vous ne recommencez pas, ça? Non. Non. Je vais vous montrer maintenant les noms des clients à visiter demain. On regarde le verre en face, détend le poignet droit, le biceps gauche, relâche le coude sur le comptoir, on penche la tête pour pas renverser la première goutte, attention, cul sec. Bravo les enfants. Huit pliés, il y a quelques dimanches, un coup de paresse, la Marie Planchet loupe la messe, rien qu'elle me dit, je vais pas pêcher, je m'en vais la suivre à la télé, elle ouvre le poste et tombe à pic sur Davina et Véronique, et aussitôt c'est de la démence. Et prends le tempo et rentre en transe. C'est maintenant à moi qu'elle mue. Au champ à table et dans la rue. Alors moi pour y faire la nique, je me suis trouvé une petite technique. Je retire le bouchon et deux. Je mets un petit glaçon et trois. Je verse la boisson et quatre. Je me rince le siphon et un. C'est la pérobine. Trois, quatre et un. C'est la pérobine. Trois, quatre. Quand il faut semer, c'est plutôt bien. En une journée. Ah, dès que le cours est fini, réunion au bureau chez la patronne. C'est. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas. Trois, mais en tout cas, elle est mauvais point. J'ai l'impression que ça va barder. On s'entraînait tout cinq, lui est bon. Six, et c'est allé pour les moissons. Pas la peine d'embaucher des hommes. Six,
Je croyais vous avoir expliqué clairement que si nous voulons exploiter pour notre compte le réseau de Marco, il ne faut pas lui laisser un seul homme vivant. Vous deviez les éliminer tous. Or, il en reste trois en activité. Pourquoi ? C'est impossible. Ne dites pas de bêtises. Qui était chargé de l'équipe de la brasserie ? Moi avec Christine. Et je suis sûre qu'il n'y en a pas un qui en a réchappé. Et l'équipe numéro 2 ? C'est nous. Mais avec les chaussons en ciment qu'on leur a tricotées, ils sont pas prêts de remonter du canal. Alors Marco a engagé une nouvelle équipe. Des inconnus. Je n'aurais jamais cru capable de réagir aussi vite. Et ils sont efficaces ? Oh, super pro ! Dans la seule journée d'hier, ils ont fait sauter un bureau de directeur d'hypermarché, pulvérisé une voiture de luxe chez un garagiste récalcitrant et poussé au suicide un restaurateur japonais. Si on les laisse faire, ils sont capables de retourner la situation en faveur de Marco. Le problème, c'est qu'on les connaît pas. Mettez-vous toutes sur ce coup. Et nos clients ? Ah, ben ça a annulé les courses, il le faut. Ça donnera des vacances à vos clients débiles. Faites jouer vos informateurs. Il faut les identifier le plus vite possible. Et dès que vous aurez mis la main dessus, amenez-les-moi ici. On les éliminera en douceur. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a au bar trois jeunes gens qui vous demandent. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils disent qu'ils viennent de la part de Monsieur Marco. Oh ! De Marco ? Ils réclament l'argent du loyer. Où sont-ils ? Derrière la piscine, à droite du bar. Je n'avais jamais vu une imprimerie, mais c'est bien une imprimerie. C'est vrai, moi aussi, je trouvais que c'était bien. Mais c'est pas possible, t'as dû sauter une ligne dans... J'ai peut-être sauté une ligne, mais ça te déplaît pas vraiment, hein. Mais j'ai jamais dit que ça me déplaisait, Jeannot. Qu'est-ce que tu dis ? Comment ? Hein ? J'ai rien dit, c'est toi, Phil ? Non, on s'en va pas maintenant. Mais un de mes fils, on reste encore un peu. C'est ça, les nouvelles terreurs de Marco ? Sans doute. Marie, Ingrid et Vanessa, allez vous changer. Ensuite, vous essaierez de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Et vous deux, reprenez vos cours, pour l'instant. Bien, madame. Bien. Salut, les filles. Chaud, hein? Si c'est des typographes, elle manque pas de caractère. Bravo, Gutenberg. Oui. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est gentil de venir nous voir. Nous voyons peu d'hommes d'ordinaire. Ah bon? Elle veut dire des hommes, des vrais. C'est la direction qui vous envoie? Oui. Oui, elle nous a chargé de vous tenir compagnie juste quelques instants. Ah bah, c'est sympa. Vous savez ce qui nous ferait très très plaisir? Non. Ce serait de dîner avec vous ce soir. Ce soir? Oh, oh non, oh, ce soir, je peux pas, ce soir, j'ai un rendez-vous. Il a rendez-vous chez le dentiste? Oui, et lui, il va en province. Eh. Mais toi, tu peux ce soir, Philou? T'as rien? Non, il y a Dallas. Je peux pas. Vous avez tort. Nous sommes des filles tout à fait surprenantes. Ah ben, j'en doute pas. Oui, d'autant plus qu'on n'a rien contre les surprises. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, alors? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Ben, oh, bah. Dans un premier temps, l'enveloppe. Ah oui, c'est oui, on est quand même là pour... Puis après, bah... Eh bien, nous allons voir où ça en est à la comptabilité. C'est très gentil. Coriace, froid comme des icebergs, le style tueur polaire. Ils doivent appuyer sur la gâchette, comme nous on se fait les ongles, on pense à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On les emmène en promenade au bord du canal, on les amène ici? Non. Pas avant d'avoir compris ce qu'ils sont venus faire. Alors? Payez-les. Oh! Oui, on paye comme au poker, pour voir. Mais à partir de maintenant, vous ne les quittez plus d'une semelle. Bien, madame. Vous en êtes sûr?
comme je vous vois. Vos trois nouveaux collaborateurs étaient chez Madame Yann comme chez eux. Ils ont bavardé avec trois de ses plus belles filles. Ils ont l'air d'être trop le monde bien dans les papiers de la maison. Merci, mon petit. Dominique, Bruno. Vous allez me prendre en filature les trois andouilles que j'ai engagées hier. Je veux savoir ce qui manigance. Hein? À partir de maintenant, vous ne les quitterez plus d'une semelle, ces petits mangeurs à tous les râteliers. Oui, monsieur Marcoux. À quelle heure, là? Bien. Hey, il est pas fatigant ce métier, mais je commence à le trouver un peu monotone, pas vous? Si, moi ouais. Je trouve qu'on se marre plus avec sa santé. Oh, ouais. Bah oui. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Quoi, maintenant? Oh, nulle part, parce que j'ai un train à prendre. Ah oui, c'est vrai. Où tu vas déjà? Eh ben... Vierzon. À Vierzon. Tu veux que je te dépose à la gare? Non, non, merci, t'es sympa, ça va. Mais je passais sur ma route, là. Non, non, je vais prendre un taxi. Allez, bon. Salut les gars. Ok, bah ciao. Bon salut. Voyage. Au revoir. Toi, tu profites? Non, non, je suis un peu fatigué, je vais marcher un peu. Bon, ok. Bah alors à demain. Hein. Salut. Ciao. Hé, hey, qu'est-ce que je fais des enveloppes? Bah tu les mets dans ton frigo, on lui apportera demain matin. Ciao. Hé, hey, j'ai pas de frigo, hein. Madame. Merci. J'attends une jeune fille. Vous la reconnaîtrez sûrement parce qu'elle est très jolie. Certainement. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai rendez-vous avec une jeune fille. Vous pouvez pas vous tromper, elle est exceptionnelle. Certainement. Merci. Oh, excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas chez le dentiste? Eh, ah non. Non, enfin, tu vas te marrer, dis, je me suis planté, c'était pas aujourd'hui, dis. Et toi? Ben, non, non, je suis allé acheter des fleurs, alors ça m'a donné faim, et puis le magasin... Ah oui, des fleurs, bah oui, évidemment. Et ben, et lui? Excusez-moi, monsieur. Pardon. Hé, je te parie qu'il va nous dire qu'il a raté son train. J'ai rendez-vous avec une fille, vous la reconnaîtrez sûrement, elle est ravissante. Oui, je sais. Oh, alors ça, c'est incroyable, alors. Oh, je rate mon train, j'arrive ici par hasard et vous êtes là. Oui. Oh. Il a raté son train. Oui, il a raté son train. Bien sûr, parce que je suis là. Bah, évidemment. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, sérieusement. Moi, j'ai un petit rencard. C'est pas possible. Si. Allez, si. Et toi aussi, t'as un petit rencard. Non, j'ai un petit rencard. Ah. Tu as un petit rencard. Ah, bah, moi aussi, j'ai un petit rencard. Ça rigole, ça. Pas le temps, enfin, c'est tiens. Pas. Oui. Là, voilà. Je pense que c'est la jeune fille que ces messieurs attendaient. Oui, c'est elle, oui. C'est ce que nous avons de plus ravissant ce soir. Ah, bravo. Vous avez du goût, vous avez du goût. C'est un bon choix. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Coquine. Oh, bien. Excusez-moi, pardon. Pardon, messieurs. Lequel vous choisissez, Juliette. Ça vous plaît? Hein? C'est affirmatif. Ça me fait défiler. Bon, mais on mange quand même. On mange quand même. Allez. On se met là? Là. Pardon, excusez-moi, pardon. Là. Juliette. Attendez, attendez. Voilà. Ah, tu te mets là, ça y est, ça y est. Pardon? Non, rien, je vais aller me mettre en face. C'est ça, mets-toi en face, il y a un excellent restaurant de l'autre côté de la rue. Merci. Mesdames. Nous sommes trois. Nous n'avons pas réservé. Ce n'est pas grave, suivez-moi. Il y a quelque chose qui m'échappe. Oui? Qu'est-ce que c'est? Ah. J'ai accepté votre invitation parce que j'aimerais vraiment bien comprendre. Messieurs, combien êtes-vous? Nous sommes deux, mais nous n'avons pas réservé. Ce n'est pas grave, suivez-moi. Vous avez l'air si gentil, pourtant vous devriez avoir honte. Honte de quoi? De faire un métier aussi ignoble.
Bon, enfin, collecter des loyers, ça n'a rien d'ignoble. Et si, Nick, en plus. Non, nous. Enfin. Vous savez comment ils sont morts, mes oncles? Non. Deux infarctus. D'angoisse et de peur à cause de vos prédécesseurs et de leurs méthodes. Le racket, c'est pas joli, joli. Hein. Le quoi? Le racket? Vous avez vu? Ils ont emmené leur garde du corps. Ils doivent être enfoiraillés comme une division blindée. Méfions-nous. C'est des vrais petits vicieux. Ils ont amené les trois sauterelles de la Myrliane pour les protéger. Elles doivent avoir des grenades plein leur sac. C'est leur truc, les grenades. Racketeur. On aura vraiment tout fait. Oh, ce salaud de Marco, demain je lui colle une bombe sous son paillasson. Moi. Je vais lui faire bouffer son pognon, tu vas voir. Mais bon, en parlant de bouffer, moi, ça m'a coupé l'appétit. Ça fait rien, on se reverra. Je suis tellement contente que vous soyez pas des bandits. Des bandits. Bon, ben, je vous raccompagne. Non, je vous raccompagne. Non, je vous raccompagne. Bon, ben. Allez, on vous raccompagne. Ils s'en vont. Oh merde, ils s'en vont. Hein? C'est des maladies, ils ont même pas mangé. On va semer les trois sauterelles. Les deux andouilles du père Marco. Et demain matin, on va aller le voir, monsieur Marco. On va régler tout ça. Allez. On va faire un bon coup de ménage. Il va voir à qui il a affaire. Bon. Allez. La Juliette, au revoir. Bonsoir. Bonne nuit. Faites vos rêves. Je vais laisser tomber mon... Attention. Attention, voilà. Puis on va faire un petit constat. À l'amiable. C'est ça. Deux nuls, deux débiles. Je retiens les frais de réparation sur vos pourcentages. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Marco. Monsieur Renaudin est là. Il demande à vous voir. Renaudin? Bizarre, faites entrer. Monsieur Marco. Excusez-moi de vous déranger, mais j'attendais vos représentants hier. Comment ils sont pas venus? Je n'ai pas quitté mon imprimerie toute la journée. Je n'ai vu personne. Peut-être ont-ils eu un petit empêchement. Alors comme j'avais affaire dans le quartier, j'ai amené ma petite enveloppe moi-même. Ah, vous avez bien fait, monsieur Renaudin. On ne sait jamais. Un malentendu est si vite arrivé. Oui, oui. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Renaudin. Qu'est-ce que c'est que cette entrée? On fait qu'entrer et sortir. Je vous ai attendu hier soir. Vous deviez me rapporter quatre enveloppes. Eh bien, vous pourrez les attendre longtemps maintenant, parce que pour nous, le racket, c'est fini. Le quoi? Le racket. Le racket. Ouais. Il faudrait pas nous prendre pour plus bêtes qu'on est. Parfaitement. Vous êtes peut-être moins bête que vous n'en avez l'air, mais vous paraissez imprudent. Où est l'argent? Il est placé? Dans un coffre de voiture. En Suisse? Parfaitement. Et on va le restituer à ses propriétaires. Mais d'abord, on va aller voir les flics. Crise de scrupules touchante, mais un petit peu suspecte. Qu'est-ce que vous faisiez hier chez Madame Liane? Chez qui? Faites pas l'innocent, chez Madame Liane et ses sirènes. Elle est dans le même business que moi, figurez-vous. Et elle aimerait bien absorber mon réseau si elle le connaissait. Alors elle veut la guerre,
Elle va la voir. Mais quelle guerre de cœur? Mais qui prend pas de guerre? Madame Viane? Madame Viane, mais je ne connais pas de Madame Viane. Pourquoi il est dérangé? C'était pas Madame Viane à guerre. Viane, non, Viane. Madame Viane. Tu connais Madame Viane, toi? Madame Viane. Ah, Madame Viane! Attendez, laissez-moi deviner. Animal ou végétal? Emmenez-moi ça. Mais pourquoi? Attention! Ne poussez pas! Attention! Attention! Aïe! Vous me les ramenez quand ils seront à point. Est-ce que vous avez toujours l'intention de me quitter? Oh non, non, monsieur Marco. De transmettre des informations à madame Liane? Oh non, monsieur Marco. Est-ce que vous êtes content de votre travail? Oh oui, monsieur Marco. Est-ce que vous allez continuer à visiter mes clients? Oui, monsieur Marco. Est-ce qu'à l'avenir, vous serez un tout petit peu plus discret? Oui, monsieur Marco. La concertation, il n'y a que ça de vrai. Ah, au cas où vous voudriez revenir sur vos bonnes dispositions, j'aimerais vous faire savoir ce que sont devenus ceux qui, comme vous, ont eu envie de quitter mon organisation. Pierre Dumas. Tombé de la passerelle à la gare de Joinville. Pierre Debout. Écrasé par un camion à Rungis. Jean Bayard. Disparu en mer au cours d'une promenade. C'est dangereux, la mer aussi. Oui. Bien, vous allez vous reposer un petit peu, et puis cet après-midi, vous viendrez chercher votre itinéraire. Oui. Ah, au fait, passez donc voir vos amies les blanchisseuses. Hein? Elles ont une surprise pour vous. Ah, très bien. Merci, merci beaucoup, monsieur Marco. Merci. Nous allons... Et au revoir. Oui, au revoir, monsieur Marco. Et au revoir. Bonsoir. Au revoir, monsieur. Voilà. Merci, monsieur Marco, encore. Salut, les mecs. Bonjour, Juliette est là? Pardon? Est-ce que Juliette est là? Pardon? Est-ce que Juliette est là? Mais elle est partie à votre rendez-vous. À notre... Quel rendez-vous? Pardon? Quel rendez-vous? Eh bien, celui que vous lui avez donné par téléphone ce matin. Je vais pas téléphoner, moi. Mais moi non plus, hein. Moi non plus. Ah, oh, mon Dieu! Oh non, ça recommence! Oh non, c'est pas moi, vrai, hein? C'est pire qu'un tic, c'est... J'ai pas crié? Pas vraiment comme si j'avais que ça à faire, hein. À repasser? Non, j'ai pas le goût à rire. Du chachelic, mercerisé, il est foutu, irrécupérable. Comment ça foutu? Ben regarde, c'est foutu ça. Mais si tu mets un petit peu d'eau de Javel dans ta lessive. On croit rêver. De la Javel sur du chachelic. Ouais. Mais tu veux me faire de la dentelle. Quoi? De la dentelle. Ah, oh pardon, oui là le téléphone. Oui. Allô, c'est Juliette. Juliette? Ah c'est Gérard ici. Oui, oui, elles sont là, elles se reposent un peu là. Et y a Jean et Phil avec moi. Passe à moi. Ah, attends. Laisse-moi lui parler. Non, c'est pas à vous que je dis. Où est-ce que vous êtes là? Ben, je sais pas. Elle sait pas. J'ai été kidnappée. Kidnappée? Mais... Kidnappée? Kidnappée par qui? Par les hommes de Marco. Marco. Aïe! Alors, vous avez compris, si toi et tes petits copains filez pas droit et si vous faites des confidences au poulet, je vous envoie la main de la fille doigt par doigt et par colis postal. Doigt par doigt? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous faites gentiment votre boulot, monsieur Marco décidera. Mais on... Allô? Ah, il a raccroché. Salon, va! Non, mais... Vous êtes nuls. Pas capable de les vamper. Même pas capable de les filer. Si des missions pareilles sont devenues trop difficiles pour vous, moi, je vous renvoie à vos serpillères, à vos machines à écrire et à vos balais, hein. Vous allez me les retrouver, et vite. Je les veux ici. Dans ce bureau. Madame Yann. Qu'est-ce que tu veux? Les trois jeunes gens d'hier sont là. Ils veulent absolument vous voir. Eh ben, il manque pas d'air, ceux-là. Fais-les monter. Ingrid, va voir dehors si ces trois affreux sont protégés par des hommes à Marco. Et vous deux, mettez-vous là et là. Et ayez l'œil, hein. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais ils me paraissent beaucoup trop sûrs d'eux pour ne pas être dangereux. Bonjour. Bonjour. Vous ne nous connaissez pas, mais nous avons travaillé pour monsieur Marco. Non, mais c'est fini. Oui. Mais par contre, nous vous connaissons. Nous savons que vous barbotez dans les mêmes eaux que lui. Barbotez. C'est une jolie image. Voilà, nous avons un marché à vous proposer. Honnête? Honnête. Je me méfie. Il n'a pas tort. Les hommes de Marco ont enlevé une jeune fille à laquelle je tiens beaucoup. Oh, à laquelle on tient beaucoup. Oui, enfin, à laquelle nous tenons beaucoup, si ça te fait plaisir. Mais ça me fait plaisir. Ah, ben, je suis bien content. Je suis content que tu sois content, Gérard. Je
suis content qu'il soit content. Voilà. Et nous savons d'autre part que vous aimeriez avoir la liste des clients de M. Marco. Alors, vous nous aidez à retrouver la jeune fille et nous vous donnons la liste des clients. Tous? Tous, tous. Tous. Ça peut m'intéresser. Alors? Les mêmes affreux qu'hier. Ils ont seulement changé de voiture. Ils sont garés devant le tabac et surveillent la porte d'entrée. Parfait. Je résume. Vous me fournissez l'adresse de toutes les entreprises raquettées par Marco et en échange, moi, je vous trouve l'endroit où est séquestrée cette jeune fille. C'est bien ça? C'est bien ça. Et comment s'appelle-t-elle, cette charmante créature? Elle s'appelle Juliette, elle est blanchisseuse. Shakespeare et Zola. Ça remonte le niveau, jusqu'à là on donnait plutôt dans la série noire. Il nous faudra un appareil photo. Miniature de préférence. Ma secrétaire va vous donner ça. Très bien. Formidable. Avant ce soir, vous aurez toutes les photos. Oui. Et je pense que nous serons en mesure de vous fournir la contrepartie. Non, non, non. Merci. Pas par là. Par derrière. Nous avons besoin que vos gardes du corps ne vous voient pas sortir. Ah, oui, c'est vrai. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci. À tout à l'heure. À ce soir. Messieurs, Madame Liane aimerait beaucoup, beaucoup vous parler. Avec joie. Alors? On est venu aux ordres, Monsieur Marco. Oui. Bien, bien, bien. Vous êtes passé à la blanchisserie, je crois. Oui, Monsieur Marco. Oui, oui. Alors, vous avez toujours envie de me quitter? Oh non, Monsieur Marco, non, non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Voilà. Vite et bien. Comme vous aimez. Oui. C'est ça, bien, bien. Alors, je vais vous donner les directives pour aujourd'hui. Très bien, Monsieur Marco. Voilà, vous avez d'abord la galerie de peinture Richer, rue de Seine. De la peinture en bâtiment? Peinture artistique. Ah, c'est bien aussi, la peinture artistique. Ah, oui, oui. Bon, et puis, vous avez Brissac, rue d'Aboukir. Oui, Brissac, le roi du prêt-à-porter? C'est ça. Un des plus gros importateurs de chachelic mercerisé. Oh! Mais c'est formidable. Ah, ça, c'est de la chance, alors. Ah, oui. Oh, moi, j'avais toujours eu envie de le rencontrer. Ah, moi aussi. D'ailleurs, votre cravate, il me semble que c'est la même texture. Comment, t'es sûr que c'est du chachelic? Il me semble, oui, oui. Oh, monsieur. Pardon. Regardez. Ensuite? Ensuite, vous terminez avec le grand couturier Dufour, rue Saint-Honoré. Maintenant. Alors, où est la petite Juliette? Où as-tu séquestré la blanchisseuse? Cette planque, elle est où? Alors? Vous pouvez le torturer tant que vous voudrez, je ne parlerai pas. Comment sommes-nous? Rien. C'est parce qu'il n'est pas encore assez torturé. Continuez. Cette plaisanterie a assez duré. Commencez à me découper ce petit malin en rondelles. Ça le décidera peut-être. Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux essayer? Ah. Pourquoi pas? Mais c'est leur dernière chance. Oh, merci, madame. Ne me touchez pas. Messieurs m'ont dit où était la demoiselle. Bravo. Venez. Des trouvailles pareilles, ça s'arrose. Alors, messieurs, nous sommes en mesure de vous dire où est détenue cette demoiselle Juliette. Et vous? Nous? Ben, on a tous les points de recette de M. Marco, là. Donnant. Bon, alors où est-elle? L'avenir paraît bien sombre pour cette jeune captive qui se débat vainement dans ses liens. Qu'elle soit tuée, mangée, réduite en esclavage, rien ne pourra la sauver du sort affreux qui l'attend.
Le temps que nos ancêtres préhistoriques ne passaient pas à s'entretuer était occupé en priorité par la recherche de la nourriture. La pêche, la chasse, la cueillette fournissaient l'essentiel des ressources. Le gibier abondait dans les forêts, les rivières regorgeaient de poissons. C'était l'eau du monde, le paradis terrestre. Enfin, presque. Au secours ! Ah ! Aidez-moi ! C'est bien. Entièrement dominés par des problèmes de survie, les hommes des temps reculés n'étaient pas très préoccupés par l'utilisation de leurs loisirs. Les jeux n'existaient pas et les rares distractions collectives avaient un caractère bien fruste et rudimentaire. Nous allons laisser cette sympathique tribu à sa vie primitive. D'autres tableaux vivants, dans notre merveilleux parc du Marco's World, le monde de Marco, vous attendent au long de ce sentier. Il veut dire que c'est nous. Par ici, messieurs, dames. Par ici, la route est longue jusqu'à notre beau 20e siècle. Ah. Et, patron a rajouté une nouvelle scène ou quoi, là? Hein? J'en sais rien, je suis pas au courant. Ah bon? Bon, bah écoute, je vais m'occuper de la petite, hein. Hein. Je vais la ramener dans la cabane. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, je montre, je te la regarde. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mmh. C'est toi le responsable? Oui. Moi, tu la mérites, hein? Tu la mérites, moi, non? Non, non, tu la mérites, je te l'assumerai pas. On va tous deux téléphoner. Non, le dites pas au patron, non. Mais non, c'est déjà allé, regarde ce que t'en fais, un enfant cacherait cela. J'y suis bien arrivé, moi. Tais-toi, toi. Elle a raison, un enfant cacherait cela. Mais moi, j'y arriverai pas, moi. T'as pas compris? Non. Il arrivera pas, lui. Non. Il m'a dit qu'il arrivera pas, lui. Eh ben, on a qu'à essayer. On a qu'à essayer, t'as tiré, t'as un tire-tateur. Allez, tire-toi, ça! Tire-toi, quoi! Gentleman! Tiens, c'est bien. Hein? Eh ben, vous voyez bien, je tire et j'y arrive pas. Tire pas, là, t'es un tricheur, toi. Je sais même pas ce qui me retient de te filer une barre. Mais plus rien, Gérard, plus rien du tout. T'as dit ce qu'elle a dit, mon pote, il a raison, mon pote. Oh! Attention, tu trichais! Hein? Non, je trichais pas! Espèce de vilain tricheur, toi! Mais tire-toi, toi! Ben allez, rattrapez-les, là! Eh ben... Allez. Monsieur Gagné? Hein? Allez, venez, mes petites, installez-vous. Alors, ces photos, ça vient? Voilà, madame, c'est presque prêt. Avec les adresses de Marco, nous allons lui piquer tout son marché et saboter définitivement son organisation. Mais pourquoi, lui, on veut tellement à Marco? Chut! Oh. 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 Préparez la voiture. Je vais en visite. Monsieur Marco, votre femme est là. Elle veut vous parler. Mademoiselle. Merci. Pour ma première visite depuis 6 ans, je ne te trouve pas très chaleureux. Je me méfie. Si je me souviens bien, la dernière fois que tu m'as souri comme ça, tu m'as tiré 2 balles dans l'épaule la minute d'après. C'était le bon temps. On s'amusait bien. Toujours aussi snob. Qu'est-ce que tu as fait de tes panthères? Je les ai laissées à la maison. Elles avaient un peu de layette à tricoter. Je te trouve toi-même, d'ailleurs, assez peu entouré. Oui, assez peu, oui. Tu as eu la main lourde ces derniers temps.
Ce que tu m'as laissé comme petit personnel est occupé à ma campagne. Je sais. Je sais que tu sais. J'ai cru comprendre qu'ils avaient eu un entretien avec certaines de tes jeunes filles et qu'ils avaient été un peu bavards. Ne parlons plus de ces bêtises. Parlons plutôt de ces trois hypocrites que tu m'as si gentiment envoyés. Tu veux dire ces trois Judas dont tu m'as fait cadeau, toi? Moi? Bah, quand? Le jour du mariage de notre fille. Salaud. Tu l'as laissé se marier sans me prévenir. J'avais dit à la petite que tu étais encore en Amérique du Sud. Elle t'a beaucoup regretté. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi répugnant. Nous réglerons ça plus tard. Revenons à nos trois moutons. Je soupçonne comme un malentendu. Tu n'as pas changé non plus. Tu es toujours aussi belle. Oui, mais plus pour toi. Mais je ne te les ai pas envoyés. Ah, mais je suis désolée, c'est certainement pas moi qui les ai envoyés chez toi. Je ne les connaissais même pas. Tu es sûre de ça? Absolument. Alors, qui nous les a flanqués dans les pattes? Et pourquoi? Tu les vois? On a dû les semer. Bon, mène-toi. Bon, tu viens? Et voilà! Hé! Oh! Ben si, on est en sécurité. Ah bon? Ah oui, on va sûrement bien s'amuser parce qu'il y a deux géos qui arrivent. Ils vont sûrement nous expliquer des jeux. Mais six. Ben oui, c'est eux. Allez, attention. Allez, go. Attends. T'en fais pas. Mais... Sur le parking? Bah oui. Et où est le parking? Bah, il est là. Il est là. Ouais, d'accord. D'accord. Ah bah, c'est bon. Tu veux? Hé, hey, c'est pas le paradis tout ça? Ah oui, mais ça manque de bagnole. Hé, hey, Juliette, je me sens de plus en plus Adam. Ah oui, moi aussi, tiens. Et toi, Juliette, tu te sens comment, toi? Calmez-vous, hein. Il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas d'Ève, il n'y a pas de serpent non plus. Ouais. Oh non. Bienvenue chez moi. Et ça recommence. Mais c'est qui celle-là? C'est une camarade de bureau de monsieur. Nous avons juste besoin d'un petit renseignement et ensuite nous vous enverrons faire une longue promenade. Très longue. Plaît-il? Vous entendez? C'est l'heure du repas. Ils ont faim. Oh, arrête de faire des phrases, Paul. Ce que je veux savoir, c'est le nom de l'organisation qui vous a envoyé chez moi et chez lui. Ah, mais c'est lui? Ah, c'est lui? Oui, ça me revient, c'est lui maintenant. Évidemment, c'est lui, il est là. Écoute pas, écoute pas, écoute pas. Il bluffe. Que nous, on bluffe, non? Pourquoi? Moi, je peux pas bluffer. Moi, j'ai jamais gagné du rond poker. Quand je bluffe, ça se voit, c'est pas vrai? Voilà, tous ces mystères commencent à m'agacer énormément. Allez, en route. Non, oui. Voilà. Nous allons éclaircir ça dans un coin plus tranquille. Eh ben, et moi?
Ah bah toi, tu viens si tu veux. J'ai l'impression que notre petite trêve ne va plus durer très longtemps. Allez, avancez. Oui. Vous permettez, excusez-moi, vous allez vous faire mal avec ça. Vous êtes merveilleuse, je vous aime. Nous sommes venus dès que vous nous avez prévenus, le temps de passer prendre ces objets chez notre voisin le bijoutier, nous voilà. Hé, hey, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là, là? Je commence à en avoir ras-le-bol de cette histoire, moi. Et nous alors? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont des tigres. Figurez-vous que ces braves gens voulaient leur donner Juliette à déjeuner. Oh, c'est une idée intéressante, ça, hein? Eh bien, tu vois, ensemble jusqu'au bout. Plus pour longtemps, heureusement. Allez, Oust! Allez, en avant, là. Attendez-nous, on revient tout de suite. Eh oui, à tout de suite. Orange. Oh, t'as raison, allez, va. Ouais. Tout est bien qui finit bien. Hein? Il n'y a plus qu'à s'épouser. Oui. Rome. Deux. Quand même, elle aurait pu nous dire qu'elle avait un mec qui faisait son service militaire, non? C'est vraiment toutes les mêmes. Quitte à l'avoir se marier, je préfère quand même que ce soit avec lui qu'avec l'un de vous, remarquez. Eh, hey, de toute façon, je m'en fous, c'est bien fait pour lui. Mm. Qu'est-ce que vous lui trouvez depuis le début à cette fille? Voulez-vous prendre pour époux Jean-Michel Rameau, ici présent? Oui. Jean-Michel Rameau, voulez-vous prendre pour époux Juliette Cavra, ici présent? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a dit oui. Et lui alors? Alors lui, je t'en parle même pas. Il est grand, il est beau, il est blond, c'est pas en du fric. Et qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste? Et puis t'as vu leur tronche en bas? Ah, t'es allé. Tu trouves pas ça triste, toi? Moi aussi. Allez. Bémol? Bémol. Allez. 3, 4. Ça recommence. C'est moderne.